Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur War Tales. On est avec notre compagne habituelle, et dans l'épisode précédent, on a continué à faire des quêtes dans la région du comté d'Arthès pour un peu augmenter le destin d'Arthès. Donc on a aidé l'abbé et on a éliminé les déserteurs pour la Légion. Donc maintenant, il reste quelques missions à faire. Donc il faudrait sûrement voir le seigneur Vernalis, ou encore... où est-ce qu'il est ce con? Ou encore le château du comte Laerte, mais bon... Apparemment, il n'y a pas de quête là-bas, donc je vais pouvoir directement aller au château du seigneur Vernalis. Après, il y a également l'entrée de la source ici. Hein, ouais. On pourra sûrement choisir de foutre la merde au niveau de la source, de mettre un cochon dedans, là. Et dans l'idée, on va peut-être voir déjà ce qu'il nous veut le seigneur. On est des mercenaires, hein, s'il nous paye, moi ça me va. Je vais pas faire ça par bonté d'âme, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas le truc de la maison, hein. De métal là, on va le prendre bien sûr. Voilà, parfait. Faudra qu'on aille revendre mon portable qui sonne encore avec un numéro obscur. Sûrement des pubs. Qu'est-ce qu'on peut se faire harceler, hein? Je sais pas si vous vous faites harceler aussi, mais moi c'est vraiment un truc de dingo. Hein. N'hésitez pas à me dire, c'est pas dur en commentaire si ça vous arrive aussi. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement casse-couille. Hein. Aïe, 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 aïe. Vivacité, d'accord, on a des recettes de l'huile d'acide. D'accord. Dégâts d'attaque d'opportunité plus 15. Ok, on va essayer de voir si on peut pas fabriquer des trucs avec... oui, les lianas, pour voir. Des bons bêtements, potion désherbante, toi, non. On va faire ça, c'est bon, ça sert à rien ici. Huile tonifiante. Hein. Infligé des dégâts, 30% chance d'augmenter. La dextérité, d'accord, ouais, non. Vivracier, on n'a pas. Par contre, il faut de l'éthérite pour avoir de l'acier acadien et des résidus alchimiques. On peut faire des remèdes, par contre, je peux en faire un, toujours. Ok. Après, je peux très bien en faire plusieurs en achetant des fioles. Hein. Après, je pourrais les revendre, ouais, on va faire ça peut-être. Allez. Remède imparfait. Je l'ai pas fait une fois ça, d'accord. Je vais en faire un pour avoir du coup le... Voilà, le point de connaissance, c'est ce que je voulais, bien sûr. L'essence vierge, de l'huile. Après, les huiles et tout, on peut avoir quand même des trucs, hein, mais bon... Je vais surtout faire des remèdes, là, et les vendre. Des résidus chimiques et de la poudre à Lazare qu'on gagne en faisant ça, c'est pas mal. Du coup, j'ai pas vu l'augmentation des niveaux de... La chimia, ça va, on augmente quand même. Ça marche, très bien. Bon, on va te vendre des trucs, hein. Vraiment le remède imparfait, hein. Et le remède tout court, ça se revend combien? Ouais. Ah, le remède imparfait se revend mieux que le remède normal. C'est n'importe quoi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout, enfin soit, ok, bon. Que voulez-vous que je vous dise, hein? Ah, j'ai gagné un truc, ok. Fabriquer 5, d'accord. On gagne ça. Artisan, ok. Bon, on va sortir. Qu'est-ce qu'ils nous veulent au château du coup? Ah d'accord, on a deux trucs. No deserters have been spotted in these parts. Ah, les déserteurs, on les a défoncés, ouais. Don't go anywhere near the wells. Don't try to drink their water. I don't know how the saboteurs did it, but I am sure they were sent by Lahart, the lord of cowards. These ruffians will come back to finish the job. If you stop them, I'd be glad to hear it. D'accord, ouais. C'est vrai que c'est une méthode un peu scrupuleuse, hein, d'empoisonner, ça peut tuer les habitants et tout. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vrai que niveau moralement... en tout cas, ils m'ont missionné pour péter la gueule au mec des puits, donc on va peut-être essayer de tenir parole, hein. On va faire le tour. C'est parti, let's go. Je suis du bon côté. Ouais, ça va le faire. Allez, on va faire le tour. Pareil, il faudra que je commence à aller voir bah, du coup le forgeron afin que je puisse faire de nouvelles armures parce que notre équipe de 4 de base, c'est bon, ils sont tous niveau 8 je crois. Hein, donc on va pouvoir leur faire de nouvelles armures avec le givre acier. Donc ils vont pouvoir vraiment
bien tapé comme il faut maintenant. Et ça, c'est cool, on aime. On essaiera de le faire dans cet épisode après que j'ai essayé de faire les quêtes, là. Entrée de la source, allez, on va rentrer là-dedans. What business have you here, mercenaries? Never mind. Oh, come now, why so glum? It'll be easy as pie, you'll see. Just throw any old carcass in the water. Non, non, non. While it's beneath you, is that it? Ouais, c'est indigne, exactement. Allez, on va te défoncer la gueule. Combat dans la grotte, du coup. Environnement qui est pas fou. Ah bah, sauf quand ça tombe sur leur gueule, moi ça me va, hein. Sauf quand les pierres, elles tombent sur eux. Formation militaire. Chaque fois qu'une unité termine son tour à côté d'un allié, elle gagne déviation. Ouais, d'accord, ok. Bon, là, ils sont pas à côté d'alliés, donc écoutez. Ah, c'est une torche au sol. Ok. Alors, comment je me déploie? Ouais, Rodrigo, tu peux te mettre devant. Bloody, tu peux te mettre là, en vrai. Soldat de la mer, ouais, d'accord. Il y a le chef là-bas, donc écoutez, ça peut être pas mal. Bloody là-bas, Olga ici, Loki là. Caneor, Rodrigo. Tous nos autres gars, ils sont là. Rémé Benz, il est là. Gigachad, il est derrière. Par contre, ouais, je suis pas très convaincu, là. Peut-être envoyer Leliana qui pourrait peut-être faire une attaque dans le dos. Ah, il y a un enfoiré de sapeur là-bas. Ouh. Alors ça, c'est pas fou par contre. Hein. Pas fou du tout même. Hein. Peut-être envoyer Remembrance pour le sortir, hein, cet enfoiré. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas foufou. Hein. C'est qui joue en premier? C'est le sapeur ici. Après, ce sera le sapeur là, d'accord. Eh ben, dis donc. S'ils sont pas trop nombreux, là... On a Reggie, on a Golgoth. On a l'ours. Ouais, l'ours, il va peut-être aller en haut pour attaquer, hein. Ça peut être sympa. Est-ce que la Bleuzaï, je l'envoie attaquer là, plutôt? Ou est-ce que je l'envoie carrément faire des dégâts en haut, là? Pêche-pistache. Je sais pas trop, mon cœur balance, les amis. Bon, allez, on va envoyer la Bleuzaille en haut, là. Taper les deux cons, là. Allez, on va attaquer les deux. Pourquoi j'ai fait un bruit d'ours? La Bleuzaille, elle a fait un bruit d'ours, j'ai pas compris. On va te foutre en feu. Allez, bute-moi ça. Et on est galvanisé, bien joué. Et j'ai fureur. Il reste lui, bon. Reggie, je pense que c'est un travail pour toi, en vrai, hein. Tac. Il le sort d'un coup, en plus, donc c'est parfait. Tu me sors les deux, t'es un génie. Parfait. Pourquoi se faire chier, hein, franchement, quand on a ça. Allez, on va faire ça même. Gagne un point. C'est le spadassin là qui va jouer. C'est le mec le plus éloigné, il casse les couilles, hein. Golgoth, tu vas y aller, hein. Attendez, je pourrais attaquer les deux ou pas? Question que je suis en train de me poser, là. Question très sérieuse. Ouais, je pourrais attaquer les deux, c'est parfait. Voilà, nickel. Allez, tu vas me sortir les deux, hein. On va pas se faire prier. Bien joué, Golgoth. C'est nickel. J'en demandais pas mieux, hein, franchement. Hein, je peux plus me déplacer, par contre. Hein. Parfait. Le prochain joué, c'est qui, là? Le sapeur, là-bas? Bah, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai ramené les archers. Allez, hop. Je vais faire sa fête.
Et bam. Dans ta gueule. Y'a Chad. Ah putain, c'est tentant, mais ouais, j'ai envie de gagner des points en crime et chaos, du coup, en faisant des égorgements, donc écoutez. On va le faire, hein. Ah, Jigashad et Liliana sont maintenant des meilleurs amis. En même temps, ils sont ensemble depuis le début, hein. C'est normal, ils sont un peu copains, hein. Mon bon Rodrigo, il a un bouclier quand même, hein, ouais, faut faire attention. Bien sûr. Bon, du coup, Jisuka Neor, hein, tu vas y aller, hein. Il doit offrir son cul. Bah, bien joué, t'as pété son armure, en fait, quoi. Ah, je sais, une merde. Ok, vas-y, tu vas dans le dos. Bam. Petit égorgement, là. Et c'est fini. Tac, tac. On ramasse tout ce bordel. Ok. On continue, hein. Obtient carcasse, on le prend. Non, on va pas le faire. On a ramassé la carcasse, c'est très bien. Ah, on va nous faire chier du coup. Mercenaries, you have killed the saboteurs. Unbelievable. Well done, mercenaries. I am glad I hired you. Voilà. Et boum, on sait le sabotage du dernier puits. Du coup, j'ai eu un truc en voix, d'accord, ici. Donc là, je gagne célèbre, hein, pas parfait, c'est bien. Et en crime et chaos, du coup, ça augmente les coupes jarrées, là, oui, on est bientôt à 4 pp, hein, ouais. 4 points. Du coup, ça me permettra de passer niveau 4, et ça, c'est cool, on aime bien. Bon, du coup, par contre, faut que j'aille où, maintenant? Du coup, là, mine de rien... Ah, c'est bon. Ah non, je peux... Y a rien, en fait. Je sais pas où il faut que j'aille, du coup, pour la suite des événements. Ah, par contre, j'ai eu un objet, hein, je crois. J'ai eu un espèce de bouquin. On va trier par type. Hein. Ouais, ça. Oh, c'est une babiole à la con. Ok, d'accord, très bien. Bah écoutez, on va aller tout doucement vers le château de l'hôte, là. Peut-être qu'on aura une quête, hein. Je sais pas. On va bien voir. Ça, je retourne voir Messire. Ah bah non, jusqu'à la dernière goutte. Ah bah non, là, en fait, on n'aura plus rien, quoi. C'est bizarre que j'ai encore rien eu, quoi. Pour le compte de la herte, là, oui. J'ai encore rien eu à ce niveau-là. Peut-être retourner à Corsia, tout simplement. Doucement. Allez, hop. Rien d'autre, hein. Ouais, non. J'ai rien d'autre à faire, là. Œil pour œil, non, y a pas un truc à faire, là. Même pas. Non. Même quand je dis le truc, là, y a absolument rien qui se débloque, non. On peut sortir, oui. Usually, I'm only allowed to tend to the animals, but don't let that worry you. Man and beast are not that different. D'accord. Peut-être aller voir le forgeron. There were two of us working here until j'ai des trucs à vendre, je pense, là. My cousin in his army. I haven't heard from Clay since. Bon, des petites babioles, les petites choses. En soudoyer. Ah, putain, d'accord, ok. Pas ouf, hein. Ouais, c'est pas mal. Il y a des trucs que je veux quand même garder, mais bon, il y a des trucs que je vais virer. Hein. Ça, non, merci, quoi. C'est bon, ça part. Ça allège ma bourse en plus de ça, donc c'est parfait.
Il va falloir que je regarde pour forger. Je pense que je vais pouvoir le faire là maintenant, donc on va sauvegarder avant, bien sûr, pour pas que je sois déçu, hein. Au marché, y'a quoi? Ouais, on va commencer à acheter des trucs parce que... Regarde la cuisine. On va acheter, hein, en masse. J'achète toute la bouffe possible, là, en vrai. Ça sera qu'utile, hein. Allez, on prend tout. C'est lourd, mais je m'en fous, hein. On va cuisiner. J'ai tout dévalisé. Allez, on va cuisiner maintenant. On va cook. Alors. Mon petit Kaenor, là. Mon petit maître cuisinier, tu vas faire des trucs, là. Porc grillé, déjà, c'est sûr. On va en faire 10. Oh non, quoique, je peux faire un ragoût de porc, ouais. On va faire du ragoût de porc, c'est même un brin mieux, hein. Cuisiner. Et les coques de mouton, ils font juste du raisin, on va le cuisiner. Voilà. Le confort de paysan, il me faut du porridge. Et pour faire du porridge, il me faut quoi déjà? Ah, il me faut du miel, ouais, mais le miel, tu l'as pas comme ça, c'est ça le problème. Du miel et puis un ragoût de porc. Un ragoût de porc, j'en ai à foison, après c'est juste ouais, le miel qui me manque. Je peux faire du pain, ouais, je vais en faire une dizaine. Vingtaine même. Voilà, un petit peu de pain, ça n'a jamais fait de mal à personne. Ok, nice. Bon, par contre là on a trop de bouffe maintenant, on a retrouvé de la bouffe pour 15 jours, c'est parfait. Ah, on a un poney qui a monté de niveau, Raymond. À force, hein, go, hein, tac. Voilà. Personne d'autre a monté de niveau, c'est bon, ok. On va pouvoir quitter, je pense, là. D'accord. Rien d'autre à la taverne. Et quoi comme mission? Je regarde vite fait, hein. Voilà, c'est juste des trucs à la con. Assassiner, ça peut être pas mal pour des points, mais bon, là, je vais pas prendre. Là, on a trop d'argent, en vrai. Hein. C'est juste chiant. Toi, tu vends quoi? Before the war, there were two taverns in Cortia, and we were still completely full on market days. Bon, c'est aux champignons. On peut prendre des plats tout faits pour avoir des trucs en plus. On peut peut-être chanter, ouais, écoutez, on fera monter un petit peu le niveau du bard. Allez, on va le faire. Écoutez, ça se fait. Go. On a pas marre, je joue tout le temps la même musique, Bloody. À force, tu la connais par cœur, hein. Tu me diras. Ouais, monsieur, c'est parfait. Le public est content, on gagne de l'argent, on gagne de l'influence, on gagne des conneries, voilà, parfait, on se casse ça. Bon, maintenant, le problème, c'est que je sais pas trop où aller à part faire le truc. Oui, alors, on va sauvegarder, les amis, sur mon site de secours, et je vais tester de forger les armures pour mes potes, là, hein. Allez. On va prendre Bleuzaï, bien sûr, pour ça. Confirme et qui va nous faire du coup. Ah, il manque du bois. Putain, c'est ça qui me manque en fait. Quel cauchemar. On va pouvoir faire du coup beaucoup de choses en fait. Hein. Ah, une masse en givre acier. Je pourrais le faire par contre. J'ai assez. Pour Giga Chad notamment. C'est vrai que là, j'aurais aimé faire une épée à une main. Là, genre. Ça pour Edgy, ça aurait été incroyable. Mais il me faut du bois quoi. Faudrait que j'aille chercher du bois. Donc, je pourrais pas le faire maintenant. À part, ouais, les dagues en givre acier, ouais, pour Liliana. Elle ferait tellement mal en vrai, quoi. Oh, mon dieu, comment ça augmente d'un coup, quoi. Une hallebarde en givre acier, 22 en force. Oh. C'est une arme d'ast, après, c'est pour... ouais, c'est pour... Olga. Après, oui, il y a les armures, hein. Les armures, là, il n'y a pas moyen. Il y a pas de souci, j'arriverai à faire ce qu'il faut pour les armures, hein. Ça, c'est pas un souci. Ah ouais, c'est des armes, c'est pas des armures en fait, là je suis con. Cette arche fantôme, ouais, la hard, non ça c'est bon. Pourquoi en givre acier, ouais ça c'est pour les armures légères je crois. Armure intermédiaire, il y a une brigantine. Ça c'est plus pour Reggie du coup. Ouais, c'est faisable.
Bon, écoutez, du coup, on va faire la dague. J'ai envie de faire la dague pour Leliana. Donc, allez, go. Donc j'ai réussi à la faire malgré... j'ai cru que j'allais devoir recommencer parce que... Ouais, non mais apparemment c'est bon. Elle est très bien. Leliana. Parce que là t'as 14. Elle est également qualité comme ça, 2 étoiles. Donc c'est parfait, c'est ce que je voulais voir. Donc elle est de qualité parfaite. On va peut-être enlever le renfort, oui. Qu'est-ce que tu fais? Non? Enlever le renfort, oui, je l'enlève. Comme ça je pourrais le remettre... sur ma nouvelle arme. Voilà. Mais je suis con. Non mais non, mais de toute façon je vais devoir la garder là pour l'instant ça. Bon, je vais peut-être devoir la changer, donc écoute, on va rester comme ça pour l'instant. Et le coup de poignard, ouais, oh, putain la vache là, il a gueule du poignard, toi. Ça marche, donc on va regarder pour les armures maintenant. Alors, les armures du coup, ça devrait se faire. Hein. Le pourpoint givracier pour Leliana peut-être, ou alors ouais, le gant bison, c'est armure intermédiaire, ouais, pour Reggie, mérite. Mais j'ai envie de faire plaisir à Leliana d'abord. Allez, on va faire ça. Parfait, à la perfection. Le pourpoint givracier est obtenu. Donc, Leliana. Du coup, c'est bien, tu vas pouvoir mettre celui-là. Tac. Et ton renfort, là, il va pouvoir y aller. Voilà, parfait Leliana. T'as une belle armure. 78 pour une armure légère, c'est vraiment pas déconnant du tout. Parfait, parfait. Est-ce que je peux faire d'autres du coup? Je crois que j'ai plus de charbon en fait. Je crois que c'est ça le problème. Je vais essayer de voir si je peux pas en acheter là. Je peux me racheter des... Ouais. Acheter du charbon. Voilà. Et oui, c'est bien ta gueule. Alors, est-ce qu'on a assez pour faire d'autres armures là du coup? Yes. C'est bon, on a bien augmenté là. Donc le gant bison, hein, l'armure intermédiaire, ça va être pour Reggie, ça. On va le forger tout de suite. Parfait. Voilà. C'est bien mon Reggie. Et du coup, ouais, il y aura pour... Merde. L'armure lourde, ouais, le harnois en givracier, ça sera pour Gigachad. Allez, on le fait. Parfait, allez. Ils sont faits à la perfection. C'est nickel. On va voir tout de suite ce que ça donne sur eux. Alors. Quoi? Du coup, tu vas pouvoir retirer tous tes trucs de merde. Hein. Voilà. Donc... On va te mettre ça. Là, je gagne quoi en fait en mettant plus 3, plus 45. Ouais, c'est parfait, hein. Bam. Voilà, bien joué. Et Gigachad. Ouais, ah, t'avais pas de renfort sur tes armures. Bah écoutez, c'est parfait, ça me va. Le harnois en givracier, donc ouais, moins de mouvement, mais ça c'est pas mal, ça change pas. 60 d'armure en plus, putain, mon dieu. Elles sont belles en plus, les armures, c'est ouf. Hein. C'est parfait, tout ça. Il y en avait encore dans mon équipe qui pouvait pas porter autre chose que ça ou pas? Tout le monde peut porter des trucs fantomatiques, bah c'est parfait, écoutez, hein, moi ça me va. Donc Reggie, on va pouvoir te rééquiper de ça, hein. Paf, et paf. Parce que fuck it. Et ces armures-là, on va pouvoir ou les démanteler ou les vendre, je pense qu'on va les vendre en vrai, hein. Allez, on va parler à la marchande. Ouais, on les vend, allez, tac, tac. On vend ça, plus besoin. On vend ça également. C'est nickel tout ça. Oh, faudra bien sûr que je regagne du bois pour changer les armes maintenant. Faudra que je fasse la massue et faudra que je fasse l'épée pour Reggie quoi. Et pour l'instant on est bien, hein. On est vraiment très très bien quoi. Y a pas de souci. Hein. Ok, parfait. Alors on quitte du coup ça. On sauvegarde. Y a trop rien qui peut nous arrêter en vrai là. C'est parti. Donc on va aller où maintenant? Où est-ce que le vent nous emporte là? On va peut-être essayer d'aller au château du comte Laerte, hein, je pense.
C'est vrai que là, je sais pas trop où je dois aller pour la quête. Non, mauvais endroit. Je me souviens plus d'où ce qu'il faut que j'aille, en fait. Pour moi, je dois aller au château, hein. Ça me semble logique. Il doit pas être content, d'ailleurs, le mec. Mais bon, je m'en fous. On va avancer un maximum, bien sûr. Je vais pas me faire attaquer par les forêts, sinon je vais avoir l'air d'un con, moi. On va devoir se reposer. Allez. Alors déjà, il y a ça. Oh, forgeron. Bam, plus 5. C'est-à-dire qu'on a forgé pas mal de trucs, là. Nickel. Compendium, je peux débloquer un truc, on verra plus tard. Déjà... Ah, ouais, elle a plus de trucs, elle. On va remettre ça du coup. Hein. Voilà, on aura de la peau. Érudiacine, on s'en fout. Allez, on va mettre un repas. Un hélicoque de mouton, tiens, ça changera. Voilà. Du pain. On va mettre le pain qu'on a fabriqué. Hein. Petite binouze. Petit truc de poisson. Parfait, au calme, on se repose. Oh, la masse. Derkechette, ah ça c'était sur un des trucs qu'elle était en train de travailler, du coup j'ai gagné un point de connaissance avec ces conneries. Parfait. Du coup tu vas travailler sur quoi maintenant, sur le truc d'érudit, le lutrin là, hein? Bah sur ça. Voilà, parfait. Donc la masse elle fait quoi là? C'est une masse à une main légendaire améliorable. Améliorable. Je veux voir ce que ça fait par contre. Masse à une main, Gigachad, tu vas la prendre pour voir. Là c'est 11 de force. 8, ok, d'accord. Et c'est quoi? Inflige 18-22 de dégâts à la cible. Cette unité a plus de force que la cible. Les dégâts sont doublés en un coup critique. Et coup critique est assuré. Je fais 24-32. Ça fait 18-22. Donc ça ferait le double. Ouais, bah ça revient au même en fait. Ok, bah ça se revendra, je pense, hein. Je vais pas garder ça. Ah, Reggie, qu'est-ce qu'il y a, Reggie? Mon bon Reggie. Dernier combat, les autres doivent me considérer comme le meilleur d'entre eux. Et ils n'auraient pas tort. Oui, bah, je te confirme. Avec les compagnons proches. Relation avec les compagnons proches. Rêvassé. C'est au fait en plus de relations. Lodi, Remeven, Gigachad et Golgoth. Ah, putain, Reggie s'entend bien avec tout le monde. C'est un délire. Ouais, adore Rodrigo. Adore Golgoth, c'est marrant ça. Gigachad, c'est toujours un peu en dessous, quoi. Ça me fume. Mais tout le monde l'aime, hein, Reggie, hein, c'est le capitaine. Hein. De toute façon, quel homme, mais quel homme! Allez, on va au château. Voilà. Du comte Laerte. Alors, c'est de leur parler. Ah, il y a un forgeron là, il vend quoi? Oh, prix réduit, bah on va prendre. Hein. On va prendre le charbon aussi, tant qu'à faire. Toujours bon à prendre, hein, tout ça. De toute façon, merci monsieur. On se casse. Alors. Ah oui. These caravans must be stopped if we... You are going to accompany me. Good. One more thing. It will... Ah, faut qu'il vienne avec moi ce con. Bon, très bien. Du coup, on va. Je me rappelle de cette quête. Ouais, faut retirer le trafic des caravanes noires là. Allez, on va faire ça. Très bien. Plus qu'à repasser par Cortier avec le mec. On aura un billet avec nous. Ça me va. Allez. Ça va pas prendre longtemps. Qu'est-ce qu'on a comme pognon? On est heureux, on a de la renommée. C'est parfait, hein. Y'a zéro danger, quoi. Voilà, parfois si je peux pas pêcher ou pas, quoi, mais non, visiblement. Et le souci, ça va vraiment être le bois, quoi. Allez, caravane noire, on va suivre le chemin. Hein. C'est ce qu'il fallait faire. On l'a déjà fait, hein, mais bon. Petit jeu, je peux même prendre le piton, en fait, quoi. C'est...
C'est juste n'importe quoi. On a su le chemin logique pour pas faire bugger la quête. Hein. Il y a un groupe de bandits dans les forêts là. Allez hop. Bien, c'est qu'ils vont directement dans la bonne direction, c'est con. Donc c'est sympa. Ah, faut que j'attaque une caravane. Ah, j'ai pas le choix. Genre, je peux pas aller au camp dissimulé là et mettre fin directement à la quête, là, tranquille. C'est bon, on pouvait directement faire ça. Ouais, ils sont niveau 6 quand même. Hein. J'espère que ça a pas fait bugger la quête. On verra bien. Alors niveau 6 par contre, là, ça va pas être la même merde. Mais bon, heureusement que j'ai augmenté mes méga. Hein. Donc ça devrait le faire. Léliana, elle va pouvoir faire vraiment mal. Notamment l'inquisitrice là qui fait mal apparemment. C'est une attaque d'opportunité, merde. Ok. Faut pas trop laisser jouer. Augmente de 40% pour chaque bonus appliqué sur la cible de ses attaques. Waouh. Une zélote, l'inquisitrice là faut la sortir, c'est chiant, c'est elle qui met ce buff à la con, donc va falloir vraiment la sortir. Putain, on n'est pas beaucoup là-bas. Ça fait flipper la moitié. Hein. Bon, là il y a les gros. Y a les gros builds qui sont là hein, quand même. Bloody il est là, il va peut-être pouvoir même sortir le zélote avant qu'il joue. Après il y a le Fanatec. Golgoth, tu vas aller là-bas hein, bien sûr. T'aidera comme tu peux, la Bleuzaï aussi, ça peut être pas mal d'aller là même pour attaquer les deux d'un coup là. Le zélote et l'adorateur. La Bloody, j'ai bien envie d'aller attaquer l'inquisitrice en fait. C'est ça le problème. Mais il faut sortir le zélote en fait, sinon ça va être trop chiant. La Canéor, tu peux peut-être aller ici pour essayer de peut-être tanker un truc ou deux quoi, ouais, ça peut être sympa. Gigachad, c'est pareil, tu peux aller là. Reggie et Loki, c'est pas mal d'être ici. Léliana, ouais, pourquoi pas. Ok, tu as inversé avec Loki, tiens, voilà. Bon, je pense qu'on est bien, hein. Bloody, tu as commencé les hostilités du coup. Je te sors. Y'a moyen que je la sorte cache-pistache comme ça. La proba est avec moi. Est-ce que ça se tente? Oui. Surtout quand tu fais un critique en fait. Bien sûr. J'ai envie d'engager la chef. Comme ça on lui pète un peu son armure. Hein. Il dit bien. Le zélote là, va peut-être falloir faire quelque chose. Hein. Bien sûr, on a envie de faire des dégâts. Hein. Oh putain, ouais, je me suis demandé où est-ce qu'il était parti le truc, j'ai pas fait gaffe. Je vais t'éloigner Liliana. C'est Bloody qui va prendre, mais c'est pas grave. Oh. Ça va le faire. Il saigne encore. Incroyable, hein. Par contre, ouais, le fanatique là-bas, on va le sortir. On va le faire gaffe, hein. Pas se faire baiser non plus, hein. La Bleuzaï. Au Golgoth, hein, d'abord, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oh putain, bah, je vais peut-être en sortir un, hein, là, en fait, hein. Un deuxième coup. Voilà, bien joué. Bien joué, mon loulou. Et un petit courou. Bah, courou Z. Et on est galvanisé. Même pas. Je pensais qu'on serait galvanisé, moi. Il y a le Fanatec. Bon, Raji, tu vas l'engager. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en vrai. Hein. Ah, tu l'as pas pété son armure. C'est bien dommage. Bon, on va le sortir, c'est bon. Hein. Casse pas les couilles. Hein.
On me dit donc. C'est qui le suivant? D'accord. Alors c'est un mec avec une lance, donc j'ai envie de dire, on va lui envoyer Rodrigo, et puis Rodrigo il va lui faire sa fête. Hein. C'est parti, 100% de chance de touche, alors voir. Au pire, il avancera pas. Bon ok, bah il meurt, c'est encore mieux. Le coup critique qui passe. Enfin, ça m'étonne qu'on n'ait pas encore galvanisé avec tout ce bordel en fait. Hein. C'est vraiment très chaud. Ah, c'est le purgateur qui va jouer là. Balouf, tu vas y aller. Patte là. Ah, mais il a plus d'armure. Face à un ours, mon gars, c'est pas ouf, hein. Suivant, c'est le zélote là-bas. C'est là que Bleuzaï va rentrer en jeu. Je l'ai prévu pour ça. Voilà. Et bam. Oh, le crit qui passe là, qui fait très mal, quoi. Et on est galvanisé grâce à ça, hein. Allez, ça dégage. On les a tous sortis de ce côté, bah c'est parfait. Voilà, ils sont plus que 4. Il y a celui-là, du coup. Alors, Gigachad, il n'arrivera pas à le choper. Ah, et encore... Au pire, c'est Reggie qui prend, hein, j'ai envie de dire. Moi j'ai envie de faire ça en fait. Avec Loki. Voilà. Parfait. Et on va se barrer. Ah. D'accord, c'était bien vu. J'ai fait ce que je pu pour me barrer, mais bon, ça marche pas. J'avais pas d'attaque d'opportunité avec Reggie normalement. Bon, ça a pas dû marcher. On va péter la chef. Ouais. Dégage. Non. On n'a pas terminé, hein. Je peux plus bouger. En vrai, je fais lui, c'est le dernier. De toute façon, on les aura défoncés en un tour, quoi. C'est impressionnant, hein. Voilà. Comment qu'on fait? Le bouquet, le tissu, le vin et tout le merdier. Voilà, tac. On va réparer tout ce merdier. Voilà, tac. Continue. Inspecter. Glaive de l'œil, on prend. Voilà, parfait. On coupe du bois, parce que... On en a besoin, tout simplement. Hop. Neuf de bois, ça fera une arme ou deux, c'est pas mal. Ah, on va devoir crocheter, là. M'en fous qu'il me regarde, on a rien à foutre. C'est à nous, maintenant. Ah, je vais même pas péter de crochet, c'est parfait. Ah, ça serait du vol, merde. Oh, bon. Il repartira après, c'est bon. D'accord. Merde, j'ai pété un crochet, fait chier. Ouais. Non, je sais crocheter, connard. Chaque fois, je suis pas gaffe, je clique sur le truc. Et s'endort également. Ouais. Il y en a également un autre ici qui était planqué. Hein.
Sandor également. Ouais, mais ça va être... ça va être un trésor de guerre, là, à mon avis. Il va pas vouloir qu'on le prenne. The woman we fought was a fearsome inquisitor called Octavia. I did not think I would... Well, they used to, anyway. Now that we know who Vernalis's allies are, we can increase our presence at the border and keep a close eye on the churches. As for the crowns the inquisitors were kind enough to leave us, I will take them to Count Lahart. This seems fair compensation. Here is your share. No mercenary has ever proved more worthy of their stipend. Ouais, je prends le coffre. Bon bah les couilles, allez hop. Tu perdras ton commandant en plus. On va bien les affaiblir, les... J'ai envie de les défoncer eux, c'est bon. On va être du côté de l'église là, ça va bien se passer. Allez, la besaille, tu vas le tuer en un coup. Ouais, la bleuzeuille ou alors bleu... Non, la bleuzeuille, allez, c'est bon. Elle a envie d'en découdre, là. Allez. Bam. T'as pas aimé, hein. T'as pas aimé la suite, je te le dis, Coco. Ah, il est pas mort, hein. Bah, t'as perdu ton pari, du coup. Bah, Léliana, tu vas l'achever. Dans le dos. Parti. Bam. Voilà, parfait. On prend son bouclier, on prend... voilà. On prend tout et on ramasse tout ce bordel. Tac. Tac. Et tac, et on est bien. 300 crowns. On peut l'inspecter, on ramasse sa lance. Statuette en bois. Nickel. Voilà. Commandant Host est mort de votre main. Parfait. On va pouvoir faire la fin de cet arc. De quête. C'est pas mal. Seigneur Vernalis vous fait savoir que... Attends, ça chaud. Ouais, ça c'est bon, tu l'as déjà dit deux fois, Coco. On va prendre le parti de Vernalis, mais ça on l'a compris, hein. Allez. On y va. Il faudra que je m'en repose avant, quand même. Soud, on va la prendre au passage. Voilà. Allez, on avance. On y est bientôt. C'est vrai que j'aurais peut-être même dû mettre un piton ici, quoi. C'est l'enfer. Ah, attendez. J'ai un truc en crime et chaos. C'est bon. J'ai le coupe-jarret. Ah non, j'ai doigt de fée seulement. Fait chier. Je pensais que j'avais coupe-jarret. Tant pis. Ah, influenceur, par contre, j'ai plus 5. Encore un. Bah, c'est bon, j'étudie mon truc et puis bah c'est bon, je peux passer niveau 8 en à reconnaissance quoi. Ce serait trop bien que je le débloque sur cet épisode en vrai. On verra ce que ça donne. Va falloir que je me repose pour ça, je pense. Écoutez, on va le faire. Hein. Et go. Un ragoût. Une binouze. Les 11 miches de pain là. De poisson. On se repose. Paf. Ah, j'ai pas eu de relique, donc ce sera vraiment au prochain... Ah bah, c'est bon, je vais l'avoir, non? Non, même pas. Ah, dommage. Producteur, bon payeur. C'est mérité. Ah, je suis bientôt niveau 7 également. 8 en puissance et gloire. Hein. Ça se rapproche, tout ça. Allez, on monte maintenant. Let's go. Vraiment que je refasse du porridge pour avoir le réconfort de paysan parce que c'est vrai que les grosses recettes là ça donne vraiment beaucoup d'avantages quoi. Vernalis. Monsieur. Blessed be Jeru. Today, you must become the punished. Allez. On va essayer de faire cette quête. Allez, on va faire le destin sur cet épisode, je pense. On a combien de temps de vidéo avec ces conneries? Ah, 45 minutes. Ah, quoi que non. Quoique non, non, on le frappe sur le prochain épisode parce que ouais, là, il y a déjà beaucoup trop de temps qui s'est écoulé. Donc écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr. Et moi, je fais des bisous à la prochaine pour la suite et fin de cet arc sur le comté d'Arthès. Allez, des bisous, je vous retrouve bien. Salutations.